génération, je ne l'ai pas encore. Bonjour, vous êtes la génération Magnier. J'aime beaucoup, surtout quand ils font les toiles et Magnier. C'est beaucoup plus important les toiles et Magnier que les vitres de publicité. Ils devraient salir la publicité et nettoyer les mains. Voici un être humain dont deux forces opposent. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que notre société? Un individu obligé d'évoluer avec des forces opposantes. Nous allons passer par un mode de déplacement beaucoup plus intime. Et par la suite, je vous expliquerai le minima de Cécile. Cécile, je continuerai son histoire par la suite. A eu un minima du taux d'échange amoureux à la table d'un restaurant qui s'appelle Toinou. Toinou au lieu du crustacé. Et nous avons aussi admis que les forces de la police, la garde républicaine, est un petit peu aussi carapassonnée comme un crustacé. Vous observerez que nous croiserons les forces de l'ordre au cours de notre périple. Et on peut considérer, avec une métaphore, que ce sont des crustacés ou des homards dans notre grand océan maritime. Par la suite, nous allons maintenant vous demander de mettre deux par deux, pour nous composer des coupes. Pour le déplacement suivant jusqu'à l'autre point de minima amoureux, nous vous demanderons de vous mettre deux par deux, en couple, choisissez donc... Si vous êtes trois, choisissez un partenaire, allez-y. Choisissez un partenaire. À la couleur de ses yeux, à la couleur de ses vêtements. Un partenaire, une partenaire. Voilà, on va
Le fruit de mer est arrivé. Alors dans ce minima, il est question de beaucoup d'amour, d'avoir pris le temps de rencontrer quelqu'un afin de faire amplement sa connaissance avant, quelque part, d'avoir une relation sexuelle avec lui. Donc cette jeune fille a pris le temps de le connaître. Ce jeune homme l'a amené au restaurant manger un plateau d'huîtres. L'huître qui nous fera penser quelque part à son organicité, à son acidité, à peut-être notre sexe même. Et au cours de ce repas, cette jeune fille a été distraite par une sonnerie de téléphone qu'elle a trouvé assez amusante. Et son amoureux l'a engueulée, m'a dit « je ne t'invite pas chez toi nous pour que tu écoutes des sonneries de téléphone ». Cette jeune fille, très émue, a versé de larmes et il lui a redit « je ne t'invite pas chez toi nous pour que tu pleures ». Donc deux forces sont opposées ici même. Et j'aimerais vous dire que à ce stade-là du repas, elle a décidé de rompre la relation parce qu'elle ne pourrait supporter quelqu'un qui la réprimande. Il est question de liberté, il est question de plaisir. Nous allons à présent passer, veuillez vous rapprocher, passer devant toi nous. Je vais demander, non pas à toutes les personnes, mais au couple de prendre une huître. Allez-y, prenez-la entière. Tu as raison, je suis beaucoup plus intéressée par les actrices. Ça que je n'ai pas assez le temps du Jack. Je crois que je dois vous en donner une à vous aussi. Hein. Ouais. Vous en prenez deux, donc attention de ne pas la casser. Monsieur. Monsieur. Mademoiselle à la caméra. Oui. Elle lui a dit pas les filles. Et lui a répondu, ouais. Regardez, c'est je n'aimais pas les filles avant moi aussi. Mais on m'a fait goûter les filles et tu aimeras les filles. Elle s'est dit que par amour, peut-être, elle aimerait les huîtres, par amour pour lui. Nous allons continuer, passer devant le coquillage et aller à l'office de la culture. Non, garde-la précieusement. Veuillez la considérer.